Bonsoir Douala, bonsoir le Cameroun, bonsoir Julienne Berthe Bissaï, bienvenue à Doha. Nous sommes en direct pour cette correspondance spéciale et ce soir, un seul sujet à l'ordre du jour, le cas André Onana dans la tanière des Lions Indomptables. Le joueur a accepté de recevoir les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision au Banyan Tree Hotel. Vous le savez, c'est où sont logés les Lions Indomptables pour cette Coupe du Monde. Nana Paul Sabin, bonsoir. Bonsoir Gladys. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'entretien avec André Onana? Il faut, vous l'avez déjà dit, que André Onana a accepté de recevoir les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision qu'il a aperçu à l'entrée de l'hôtel des Lions Indomptables, ou alors dans la tanière des Lions, parce que Equinox Télévision est parti du stade après le match contre la Serbie avec le cortège des Lions Indomptables. Nous avons accompagné donc les Lions Indomptables jusqu'à la tanière. Vous avez sans doute vu en direct, regardé en direct, n'est-ce pas, l'arrivée des Lions. Et après, donc, cette installation, le gardien a bien voulu nous recevoir. Cet élément qu'il faisait la une, hein, l'actualité en ce moment-là, en marge de cette rencontre. Alors, simplement, on a demandé à André Onana pour quelles raisons il n'était pas absent quand on sait que c'est un joueur cadre de l'équipe du Cameroun. Et en toute décontraction, parce qu'il faut dire qu'on a trouvé un joueur qui n'était pas marqué par cette absence, par cette non-titularisation. Il faut simplement dire qu'il a apporté des réponses à nos préoccupations. Première question, on est surpris de le voir dans la tanière des Lions à Doha, alors qu'il est annoncé par la rumeur, par les indiscrétions, par les réseaux sociaux, n'est-ce pas, du côté de Yaoundé. Donc, première information, c'est qu'il est à Doha, non seulement à Doha, mais il est dans la tanière des Lions Indomptables. Ensuite, pour quelles raisons il n'est pas dans l'équipe du Cameroun? Il fait savoir d'abord, il tient, n'est-ce pas, à porter ce démenti, qu'il n'a rien, aucun problème avec Ernest Obama, qu'il n'a eu aucune altercation avec ce responsable de la Fédération Camerounaise de football. Ensuite, qu'il considère Samuel Etefis comme son papa, tout comme Rigobert Song, et il confirme que Rigobert Song et Samuel Etefis ont pris la décision de l'écarter de l'équipe pour indiscipline. Hein. Donc là, déjà, il fait une autre démenti par rapport au propos de Vincent Obaka, qui, après, pendant la conférence d'après-match, a fait savoir que le joueur, le gardien de but n'était pas là simplement parce qu'il a eu un malaise ou alors qu'il était blessé, entre guillemets. Mais il dit non, je ne suis pas là parce que j'ai été sanctionné. Le Rigobert Song et Eto et Samuel Etefis, qui est président de la fédération, ont pris la décision de m'écarter donc du groupe pour indiscipline. Alors, indiscipline, le thème est un peu vague. Hein. Il fallait donc apporter une précision par rapport à la nature de cet écart de comportement. Le joueur a simplement dit qu'il ne souhaitait pas en parler plus, simplement parce que la Fédération Camerounaise de football est en train de préparer une communication spéciale sur ce cas. Nous avons contacté les responsables de la Fédération Camerounaise de football. Ces responsables font savoir que le joueur a eu des propos déplacés. C'est pour cette raison qu'il a été écarté du groupe pour ce match, peut-être plus, on ne sait jamais. Voilà, justement, cela m'amène à vous poser cette question pour sortir de ce décrochage en direct de Doha. Peut-on espérer un retour de André Onana dans la tanière durant cette Coupe du Monde? Difficile de répondre par l'affirmative parce que, selon les informations, le joueur a été écarté non seulement pour cette rencontre, peut-être définitivement pour la Coupe du Monde. On n'a pas eu la confirmation d'une voix officielle, mais selon les indiscrétions, nous apprenons que André Onana a été prié, n'est-ce pas, de quitter définitivement la tanière dans le cadre de cette compétition. Le Cameroun joue son deuxième match ce soir, ou alors cet après-midi. Et puis, il reste au moins un match, parce qu'on a le Brésil à jouer le 2. Et en cas de qualification, on pourrait, n'est-ce pas, jouer d'autres matchs pendant le second tour, les huitièmes de finale, pourquoi pas avoir plus. Donc, pour l'instant, l'information que nous avons, c'est que André Onana ne pourrait plus revenir dans la tanière des Lions dans le cadre de cette Coupe du Monde qui se joue donc au Qatar. Merci à vous, Nana Paul Sabin, pour toutes ces précisions. Je précise, voilà, permettez que vous êtes le responsable du service des sports d'Equinox Télévision. Julienne Berthe Bissaï, nous retournons l'antenne à... C'est aussi important de préciser qu'Equinox a installé, je ne veux pas dire une tanière dans la tanière des Lions, mais nous sommes constamment dans la tanière des Lions pour
accompagner cette équipe dans sa préparation, dans ses activités, pour permettre à nos spectateurs de vivre en direct les activités des Lions dans cette Coupe du Monde, et pas seulement des Lions de Notable et d'autres équipes engagées dans cette compétition, mais particulièrement les Lions que nous suivons quotidiennement aux entraînements, pendant les conférences d'après-match. Donc Equinox est bien présent dans la tanière des Lions de Notable. Merci de rester sur Equinox Télévision. Douala, à vous l'antenne.